Berton. Quentin. Qui a l'habitude. Coutumier du fait, ouais. Allez. Allez, il a fait mine de lancer là. Schmitt. Notre ami Bazevic. Et peut-être le but. 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 Superbe. Voilà, il ne pouvait pas mieux commencer. Ouais, c'est Nico, hein, ouais, c'est Nico Ruel qui a repris le rebond là, laissé par, infortuné, on va dire, pour le coup, Julian Janka. Ouais. Il était tout seul, le pauvre. Et ouais, il était bien tout seul, effectivement, dans le slot, il était vigilant. Ouais. Gap qui fait sa sortie de zone. Ouais, bonne sortie, attention, ils vont se mettre en place. Oh non, il est tout seul, magnifique, but. Ah, but, but, voilà, ben, c'est Chapuis. Ouais. C'est Romain Chapuis qui a profité de ce break tout seul devant Yann Bros et qui ouvre la marque, oui, pour les gars pensés, qui donc qui remet les deux équipes à égalité. Ouais, il shoot et il reprend tout de suite son rebond. Ah, bien fait. Ouais. Très rapide hein, comme attaquant. Ouais, exactement, Nico Ruel. Un petit palais en cloche pour Ouna. Ouna qui échappe à Fort. Ouna, ouais, non, bien fait la part d'Arnaud Fort. Et Ouna qui a fait le tour, qui a repris, peut-être, oh. un but de Torres, magnifique passe. Et magnifique, Ouna en revers qui a fait le tour de Fort, d'Arnaud Fort. Et Torres qui vient... Avec un saut de cabri qui est... Ouna, il est allé récupérer un palais, il a donné derrière lui, vraiment de façon magistrale. Hein, incroyable, le petit revers qui va bien, et Torres en embuscade au deuxième. Vasco, Michel Sin. Quentin Fauchon. Ah non, il a été contré, attention là. Chapuis, encore une fois, Chapuis qui s'échappe. 2-0. Chapuis à 2-0. Oh là là là, la but magnifique. Ben oui, il est tout seul. Ouais. Normal. Encore une fois, Chapuis qui fait le boulot. Sort ce palais là, cafouillé par la défensive boyançonnaise. Un but en supériorité, ça fait pas plaisir. Ah, vraiment, ouais, ben oui. Mais bon, c'est bien joué. C'est Joubert, il me semble. Hein. Qui vient finir une intervention de Romain Chapuis qui vraiment lui a offert un cirque. Ouais, et c'est Joubert qui inscrit avec son nom sur la feuille. Allez peut-être Torres, le lancer. Encore une fois, doublé de Torres. Ah là, il a été mal dégagé ce palais là. Il me semble que c'est le défenseur là-bas qui sort. Ouais. C'est Sirg, il me semble, Sirg, ouais, qui a fait le... Malheureusement, pour lui, qui a fait la mauvaise passe. Il n'a pas pu contrôler, pardon. Ruel, un petit palais vicieux, c'était bien fait. Zaradny qui donne... Ruel. Et but, non. Oui, et but. But de Ouna. Ouais. Ouna, qui est bien revenu. Oh mais la première fois il a pas vu alors que la cage était vide. J'ai dit c'est pas vrai. Allez. Et bien voilà, les rouges qui profitent bien sûr de cet avantage numérique pour corser l'addition, 4-2. But de... Shoot de Nico Ruel. Ouais. Ça retombe 3-2. Pour Mulhouse toujours. Mais Grenoble qui a commencé à lâcher les chevaux comme on dit. Ouais. Allez, faut pas s'intéresser aux autres. Torres, là, c'est le triplé de Torres. Triplé de Torres, Antoine qui nous fait le show ce soir. Magnifique. 5-2 pour les rouges. Et Antoine Torres qui est pour le moment c'est l'homme du match. Hein. Incroyable. Et Julian qui paraît un peu fébrile hein, depuis quelques. C'est pas habituel, hein, c'est clair. Ah, il y a énormément de lancers là, Fauchon, encore une fois, deux fois. Et vous entendez le public qui ne s'y trompe pas. Qui continue à pousser. Il n'y a vraiment pas photo pour le moment. Premier tiers nous avait laissé entrevoir une bonne disposition débrillationnée. Et but, là, cette fois, le pauvre, c'est Julian qui se le met. Ouais. Le palais qui revient. Qui tape contre la balustrade et malheureusement pour lui, Julian Janka qui se le met tout seul. Hein. Là vraiment il est chanceux. Ouais. Et on va changer du côté. On change normal. De gardien. Il sort de lui-même, hein, Julian. C'est vraiment pas son soir, pauvre. Ouais. Il s'est mis le but tout seul. Ross. Cette intervention de la garde. Torres qui déborde. Joubert là, il a pris un coup. Le lancer de Schmitt et but.
But de Charles Schmitt, il me semble. Ah, c'est... Ouais, il me semble, c'est une passe de Torres encore. Ouais, c'est bien Charles qui rajoute un but. Ah ben, lui, ça va lui faire un tout que plaisir. Ouais. Il fait tout son mineur à Gap, hein, ce garçon. On salue d'ailleurs Yolande et